La paille, c'est toute leur vie. Alors, pour rien au monde, ces deux agriculteurs n'auraient manqué le procès de leur incendiaire devant le tribunal correctionnel. 15 jours avant l'audience, Bertie Ouvrard, l'une des 7 victimes, présente les dégâts dans l'un de ses champs. L'exploitant a perdu près de 80 000 euros de marchandises. Ah ben le temps, ouais, ça faisait, je vous dis, 7,80 m. Hein. 7,80 m de paille, là? Ouais, voilà. Le responsable, le voici dans ce fourgon pénitentiaire. Stéphane Châtel-Rodet, de 47 ans, épileptique, au discernement altéré d'après l'expert psychiatre. Mais le tribunal le considère comme responsable de ses actes. Brûler un tas de paille, Stéphane déclare que ça le soulageait. Devant les gendarmes, il avait très vite reconnu 8 incendies de paillers, plus un feu de broussailles, commis entre juillet 2017 et septembre 2018. Pour ces 9 départs de feu volontaires, les pompiers de la Vienne ont réclamé 30 000 euros de dédommagement. Le but étant double. Le premier, c'est que ces frais-là ne soient pas à la charge de la collectivité, mais bien de celui qui a mis le feu. Et le deuxième intérêt, c'est que, de manière pédagogique, on puisse, au travers de cette audience, montrer aux prévenus que son acte a eu des conséquences manifestes, financièrement pour les pompiers, mais également en mettant en jeu leur vie lors de la lutte contre ces incendies. Condamné à 2 ans de prison, dont 1 an de mise à l'épreuve, Stéphane, sans emploi, doit aussi commencer à rembourser près de 150 000 euros à ses victimes.